Au cours des dernières séances, on s'intéressait à la fonction de nutrition chez les êtres vivants. La fonction de nutrition, c'est tout ce qui va permettre à un être vivant d'obtenir de l'énergie pour faire fonctionner ses cellules et de produire de la matière organique. Les êtres vivants ont en effet besoin de produire leur propre matière organique, ne serait-ce que pour renouveler les cellules mortes et fabriquer de nouvelles cellules, mais également pour grandir. Entre la cellule œuf et un individu adulte, il y a eu production de matière qui a permis la croissance. Donc la nutrition, c'est ce qui permet de produire de la matière organique, c'est ce qui permet aussi d'obtenir de l'énergie. Les différentes cellules d'un être vivant sont des cellules vivantes et ont besoin d'énergie pour fonctionner. C'est la nutrition qui va apporter cette énergie qui va faire fonctionner les cellules. Et si on pense par exemple aux cellules musculaires chez l'être humain, ces cellules ont besoin d'énergie pour se contracter. Donc se nourrir, c'est apporter de la matière organique à son organisme et de l'énergie pour faire fonctionner ces cellules. Ici, on a représenté par une boîte un végétal et ici par une boîte un animal. Ce qu'on voit, c'est que les végétaux, pour produire de la matière organique et obtenir de l'énergie, ont besoin de lumière et ont besoin de matière minérale. Cette matière minérale, c'est l'eau qui est prélevée par les racines, mais également le dioxyde de carbone qui est présent dans l'air et les sels minéraux qui sont présents dans le sol. Grâce à cette matière minérale et à cette lumière, les végétaux produisent de la matière organique et obtiennent de l'énergie qui leur permettent de survivre. Et libère les déchets à l'extérieur, dans l'environnement. Pour les végétaux, on a par exemple le dioxygène qui fait partie des déchets. Ce qu'on voit, c'est que le végétal produit de la matière organique à partir de matière minérale et de lumière. Et donc, il n'a pas besoin de matière organique produite par d'autres êtres vivants pour produire sa propre matière organique. On dit qu'il est producteur primaire. En revanche, les animaux, pour produire de la matière organique et obtenir de l'énergie, ont, comme les végétaux, besoin de matière minérale, mais ont également besoin de matière organique. Cette matière organique a été produite par d'autres êtres vivants. Donc parmi la matière minérale que prélève un animal, on pense à l'eau, au dioxygène, qui est un gaz qu'on prélève grâce à la respiration, et aux sels minéraux qui sont présents dans l'eau que l'on boit. Et la matière organique que l'on prélève dans l'environnement, en fait, ce sont les aliments. Et grâce à cette matière organique et à cette matière minérale, les animaux produisent leur propre matière organique et obtiennent de l'énergie, et libèrent des déchets comme le dioxyde de carbone. Donc on voit vraiment une grande différence entre les végétaux et les animaux, puisque les végétaux, pour produire leur propre matière organique, n'ont pas besoin de matière organique, se contentent de lumière et de matière minérale, tandis que les animaux, pour produire leur matière organique, ont besoin d'une matière organique qui a été produite par d'autres êtres vivants. C'est parce qu'ils ont besoin de matière organique produite par d'autres êtres vivants pour produire leur propre matière organique qu'on dit que les animaux sont producteurs secondaires. Les végétaux, eux, étaient producteurs primaires puisqu'ils n'avaient pas besoin de matière organique, se contentaient de la matière minérale du milieu. Parmi les animaux, parmi ces producteurs secondaires, on peut distinguer deux grands types de consommateurs. On a les phytophages qui vont consommer des végétaux pour produire leur propre matière organique. Donc, chez les phytophages, cette matière organique, ces aliments-là sont des végétaux. Phytophage, c'est un synonyme d'herbivore. On avait vu le calao à bec rouge qui consommait des produits issus de végétaux, donc des fruits, des graines, donc une matière organique produite par un producteur primaire. Donc, le calao à bec rouge était un phytophage puisqu'il se nourrissait de végétaux. Et on distingue les phytophages des zoophages, zoophages qui se nourrissent d'animaux. On avait vu le lion qui se nourrit d'animaux pour produire sa propre matière organique. Donc, si je résume, on a vu que les végétaux étaient des producteurs primaires, qu'ils produisaient leur matière organique et obtenaient leur énergie à partir de matière minérale et de lumière, que les animaux étaient des producteurs secondaires, qu'ils produisaient leur matière organique et obtenaient leur énergie à partir de matière minérale et de matière organique produite par d'autres êtres vivants. Parmi les animaux, on a vu les phytophages qui se nourrissent de plantes et les zoophages qui se nourrissent d'animaux. Voilà pour la fonction de nutrition chez les êtres vivants.